Nous saluons tout le monde. Alors, c'est Pasteur Lapierre, président Réveil d'Haïti, et qui a plusieurs années depuis que nous travaillons, ça fait 6 ans. En tout cas, je dis, hein, nous, à toute tristesse que nous venons devant nous, pour nous capables de demander nous, que en nous rentrer dans l'autre cadre. Je comprends que tout le monde qu'on a habitué à prier déjà. Mais je dis à nous demander pour capable accompagner nous dans 8 jours de prière, 3 fois le jour. 7h du matin, midi, 11 p.m. Et pour nous capable supplier bon Dieu. Mais attendez ça, il y a un règlement dans le feuillet que nous voyons. Parce que raison qui fait que pendant 8 jours, ça nous dit pas de sexe, s'il vous plaît, pour coupio. Bon, de façon que vous êtes capable plus efficace. Et nous écrit verset en bas, que nous n'avons pas de temps pour nous parler de là. Mais si vous jouez WhatsApp, on va pouvoir tout principe. Parce que nous n'avons que les plus efficaces. En façon que, parce que bon Dieu m'a dit sincérité, faut que nous sincères. Bon Dieu m'a dit sacrifice. On prend, faut que nous fidèles. En façon que pour bon Dieu capable vraiment aider nous, parce que nous avons gros toutes nos nécessités là, et ça a un petit grave. Nous pas qu'à seulement la guerre aux nations, on s'est péri, et nous tous net dans un seul bateau. Et si bateau ça a coulé, n'allez. Aïe, disait maman, nous toutes. Et franchement, il est dans le coma. Si nous ne pas mettre ensemble pour nous ressusciter, il a très passé. Et je dis, nous demandons 8 jours de prière, de 19 à 7 heures du matin à finir juste à 26. Dernier jour, son jour 24 heures de temps, sans manger que les. En tout cas, nous écrit prière, là, pour si au monde a besoin d'exemple, ou bien si vous voulez utiliser ça que nous écrit, et sincèrement, parce que nous avons besoin de présence de bon Dieu. En tout cas, nous encourageons nous toutes, nous là avec nous, et nous continuons à lutter ensemble avec nous, Réveil d'Haïti, qui est quelque temps ensemble avec nous là, et que franchement, faut que nous joignons une délivrance, parce que le pays n'a pas calé comme ça pour tout le temps. Et nous connaissons que, au Congo, il a été perdu 15 millions de Congolais dans le génocide. Il a été perdu près de 800 à 1 million de monde en Rwanda dans le génocide. Mes amis, nous perdons un peu haïtien. Et ça, nous perdons un génocide. Et puis ça, il y aurait tiré, on prend, qui vraiment est capable d'aider nous, qui a compétence. En tout cas, je dis, faut que nous demandions bon Dieu assistance, parce que faut que nous refaisons le pays d'Haïti. Et franchement, on remplace ces méchants par méchants, c'est consacré au cas enterré un pays. Parce que la Bible dit dans Proverbe 29, verset 2, les deux laissent ces méchants qui dirigent une nation, pays a besoin de tristesse. Les méchants ont besoin de tristesse. Et nous tombons exactement là. Et les deux dans Osée 4, 14, les expliquons que le peuple qui ne comprend pas tombera. Ça veut dire nous avons tombé pour manque de compréhension. Et franchement, la Bible dit consacré dans Proverbe 28, 9, les deux consacrés, mon qui bouche les oreilles, ils ne peuvent pas attendre paroles, bon Dieu, à même prière que bon Dieu pas attendre. Ça veut dire qu'on principe dans la prière. Et ça fait que je dis, nous fait la toute sincérité, nous, à toutes nous-mêmes, même en pleurs devant Dieu, en façon pour nous capables de nos résultats. Parce que après ça, nous allons continuer de travailler. Parce qu'il faut que le pays a délivré. Parce que ce n'est pas possible pour nous croiser bras, nous, pour nous quitter ça, en fait. En tout cas, nous encourageons tout le monde. Que bon Dieu aide, que le sécurise, que le bon santé, que le bon courage et que le bon crainte de Dieu, on fasse que pour nous capables d'atterrir. Que bon Dieu aide, on nous met des mains. Réveil d'Haïti, salut, parce que la pierre, salut.